Shalom à tous, soyez bénis abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Bonsoir, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur de notre Dieu se manifestent. Et nous sommes conscients, nous sommes convaincus que le Dieu qui est vivant, il est le Dieu qui va nous faire du bien. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Pendant que les autres se connectent, nous croyons que Dieu est avec nous. Que Dieu te bénisse, Papa Lombea. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sœur Nicia, Laetitia, Maman Janine. Soyez bénis, Maman Justine. Sois bénie abondamment, Manu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Que Dieu te bénisse, Sœur Julie. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Alpha. Il est le Dieu qui est vivant. Soyez bénis, Sœur Mireille. Soyez bénis abondamment. Sois béni, Papa Berloma, soyez bénis. Si vous pouvez aussi partager la vidéo, encore quelques minutes et nous allons démarrer. Dieu va encore nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des gens pendant que les autres partagent, ils se sont connectés, ils ont pu nous écouter aussi par Facebook. Alors ça serait aussi, si tu peux aussi le faire, partager aussi. Il y a une sœur, il y a un frère qui peut être aussi édifié par la parole. Et tu feras aussi bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Encore quelques minutes et nous allons commencer. Je pense que vous avez passé une bonne journée. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous croyons à la grâce et à la faveur de l'Éternel. Que Dieu va encore nous faire du bien. Sont vraiment convaincus de cela. Car la Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. God bless you all. God bless you. Bonjour Maman Sena Badimou. God bless you. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu te bénisse, Sœur Venise. Merci d'être là avec nous. Alléluia. Makola de Bocheta. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que c'est la saison de quelqu'un et que Dieu
va encore nous faire du bien. Dans deux minutes, nous allons démarrer. Et si tu peux appuyer juste sur un bouton partager, ça serait une bonne chose. Et que Dieu nous bénisse, nous qui sommes déjà connectés. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Dieu, le Dieu qui est fidèle. Je sens réellement un recouvrement spécial de l'Esprit de Dieu. Et je sais que Dieu est le Dieu qui va encore nous faire du bien. Dieu va encore bénir ces instants. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Je voudrais encore une minute et nous allons prier pour commencer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Toi qui es l'admirable conseiller, le Dieu puissant. Nous voulons que ce moment, Seigneur, soit un moment bénéfique. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Père éternel, mon Dieu, on n'a pas mérité d'être là. Mais ta grâce, éternel, mon Dieu, a fait que nous soyons là. Fais en sorte que ta parole éternelle apporte la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous bénissons son Saint-Nom, lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu puissant. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Et nous croyons qu'il est le Dieu qui va encore nous apporter la vie. Il est le Dieu qui va encore nous bénir au moyen de sa parole. Soyez abondamment bénis. Alors je pense de tout mon cœur que chacun de nous, nous avons pu passer une journée agréable. Pour ceux qui sont encore dans les décalages, peut-être que vous venez de vous réveiller ou soit vous commencez vos activités. Que Dieu vous bénisse et nous sommes réunis tout autour de la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu est là pour nous réconforter. Je suis convaincu de tout mon cœur que Dieu va encore édifier quelqu'un. Dieu va encore bénir la vie d'une sœur, la vie d'un frère, même ma propre vie. Parce que des fois, lorsque nous apportons la parole, ce n'est pas seulement pour que quelqu'un soit béni, c'est pour que moi aussi, que je me retrouve par rapport à cette parole. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 22e au verset 33e. Donc Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 33e, le livre de Saint Matthieu. Alors nous lisons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils les pressaient de l'autre côté du lac, pendant qu'ils renverraient la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, les bateaux luttaient contre des vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils les virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme, » dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Verset 27. Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt Pierre descendit du bateau et s'est mis à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans les bateaux, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimé, je suis content parce que
Cette parole, je pense de tout mon cœur que nous l'avons déjà lue. Et j'aime bien des textes pareils parce que ça nous facilite la tâche. Peut-être que pour ces, la première fois que qu'on puisse lire ces quelques portions des Écritures, ici c'est l'histoire que Jésus a marché sur les eaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé aux disciples en leur disant, écoutez, vous, allez-y. Moi, je vais d'abord m'occuper de la foule pour les disperser. Après, je veux vous rejoindre. Mais une question, les disciples ne se sont même pas posé la question de savoir, mais maître, comment toi tu vas arriver? Parce que, au fait, nous sommes là, nous partons, toi tu restes. Ils étaient préoccupés à autre chose. Peut-être qu'ils étaient déjà fatigués. Ils ont pris la décision de pouvoir partir. C'est pareil aussi dans la vie chrétienne, c'est pareil aussi dans la vie des chrétiens, frères et sœurs. Des fois, nous rencontrons, il y a des situations qui nous arrivent, il y a des difficultés qui nous arrivent. Nous avons toujours tendance à abandonner, nous avons tendance à partir sans pour autant nous soucier des autres. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est vrai, c'est une vie individuelle, mais c'est aussi une vie communautaire. Nous devons apprendre à veiller aussi sur nos frères. Nous devons apprendre aussi à avoir cette compassion vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, parce que nous sommes un tout, nous sommes un corps, nous formons un corps. Alors quand nous formons, le fait que nous formons un corps, donc nous avons cette responsabilité de pouvoir veiller les uns sur les autres. Alors je voudrais encourager quelqu'un, si dans un domaine donné, tu as été fatigué parce qu'il y a eu des situations données, il y a eu une complication. Moi, je veux te rassurer pour te dire une chose. Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est réel. Dieu est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui peut t'aider encore à te relever. Ne reste pas sur la même position, mais crois que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Relève-toi. Ne reste pas dans cette position. Continue. Continue ta marche. Mais les disciples sont partis. Pendant que Jésus-Christ s'est préoccupé à disperser la foule. Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vent. C'est en ce moment-là qu'ils se sont ressaisis que le maître n'est pas là. Nous sommes seuls. Dans la vie, ma soeur, mon frère, il y a un moment donné, tu seras seul. Il y a un moment donné où il y aura des vents, il y aura des tempêtes. Tu seras seul. Mais une seule chose que tu dois te rassurer. Que le maître, le seigneur des armées, n'est jamais en retard. N'est jamais en retard par rapport à quoi que ce soit. Il sait là où il t'amène. Il sait là où il doit t'amener. Et les disciples étaient pris par la frayeur. Et ils ont vu quelque chose. Ils ont vu, parce que c'est normal, là, dans ces temps, il y avait des fantômes qui apparaissaient. Ils ont été avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Mais dans la peur, ils se sont dit que c'était un fantôme. Vous voyez? Bien aimé, il peut aussi arriver dans notre vie. Nous prions. Nous excellons dans la vie chrétienne. Mais en tant qu'homme, en tant qu'humain, il y a aussi une partie faible. Il y a une partie de faiblesse. Où tu peux aussi te retrouver en disant que ce n'est pas Dieu, c'est un fantôme. Tu peux être dans un état de détresse à telle enseigne que tu ne sais pas distinguer réellement. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Et les disciples ont vécu ces choses-là. Mais Jésus les a rassurés pour leur dire, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre a pris le courage de pouvoir dire, maître, si c'est toi, ordonne à ce que je puisse venir. Et Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre aussi a commencé à marcher sur les eaux. Comprenez? Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais lorsque l'esprit humain, la mentalité... il s'est ressaisi, il dit non, ce n'est pas normal. Il y a une loi qui dit que si tu marches dans l'eau, tu dois être enfoncé. Mais comment moi, Pierre, je me retrouve en train de marcher sur l'eau? Et pendant qu'il réfléchissait, c'est alors qu'il commençait à sombrer. Et Jésus-Christ l'a tenu à la main. Et la tempête s'était calmée. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec nous, ensemble, nous voulons parler sur comment renouveler nos yeux sur Jésus. Comment renouveler nos yeux sur Jésus. Bien-aimés, il y a tellement de situations, il y a tellement de circonstances, il y a tellement de choses qui arrivent. Le diable fait en sorte que nous ne puissions pas avoir le regard fixé sur Jésus. Et il le fait, le diable sait pourquoi il le fait. Il le fait tellement sciemment que
Il a envie que nous puissions perdre notre position. Il a envie de pouvoir nous empêcher d'aller d'avance avec Dieu. Mais je bénis grandement le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée, à toi et à moi, à pouvoir écouter cette parole. Le matin, j'étais en train de réfléchir et Dieu m'avait déjà donné une parole. Et subitement, il y a eu l'une de mes filles qui m'a envoyé une vidéo YouTube. Et sur cette vidéo, c'était la chanson de Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort. C'est-à-dire, quand j'ai écouté le cantique, automatiquement le Seigneur m'a donné ce message pour encourager quelqu'un qui est en train de traverser des moments de turbulence, des moments de difficulté. Vous savez, lorsque vous prenez l'avion, le pilote peut vous dire, écoutez, le vol sera calme. Mais chemin faisant, la zone de turbulence peut apparaître à tout moment. Donc cela veut dire, frères et sœurs, que Dieu peut nous garantir, Dieu peut nous sécuriser, mais peut y avoir aussi la tempête. Il peut y avoir aussi des difficultés. La vie chrétienne, Jésus-Christ n'exclut pas des difficultés. Jésus-Christ n'est pas un vaccin anti-problème. Jésus-Christ n'est pas un vaccin anti-douleur ou anti-ceci, non. Jésus-Christ est là, les difficultés viendront. Mais une seule chose, avec Jésus, même si nous traversons des difficultés, nous savons qu'il est toujours là pour dire les derniers mots, pour nous relever, pour te redresser. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé peut-être qu'hier où tu as pris certaines décisions. Tu as voulu même dire non, je peux mettre fin à ma vie. Mais je veux te dire une chose. Je veux te dire, ma soeur, je veux te dire, mon frère, tu ne peux pas mourir. Tu n'as pas le droit de mettre un terme à ta vie. Parce que Dieu te le demandera. Dieu va te demander pourquoi tu as posé un tel acte. Est-ce que tu penses que le manque d'argent, tu penses que le manque d'enfants, tu penses que le manque d'un mari, le manque d'une femme, le manque de ceci, bien-aimé, ne vaut pas mieux que la vie que tu as. Ne vaut pas mieux que la respiration que tu as. Cela veut dire que Dieu n'a pas encore fini. Dieu sera sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, comment fixer nos yeux sur Jésus? Je vais essayer de réfléchir avec quelqu'un. Qui voit tes yeux lorsque tu es bloqué au milieu d'une situation difficile? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu es bloqué? Il y a des situations difficiles. Qu'est-ce que tu vois? Tu travailles dur, mais tu remarques que tu ne fais pas de progrès, tu ne progresses pas. Et à chaque fois que tu travailles, tu remarques que c'est comme si tu es en train de régresser. Quelle est ton attitude? Quelle est la réflexion qui arrive en premier en toi? Et selon l'histoire que nous venons de lire, il y a deux petites révélations qui sortiront de cette histoire. La première, c'est que vous pouvez voir avec peur comme les disciples. Les disciples ont vu avec peur et ils ont déclaré « c'est un fantôme ». Il y a des gens aussi, dans certaines difficultés, ils ne voient plus Dieu, mais ils commencent à constater, ils commencent à déclarer que ce sont des fantômes, que ce sont des impossibilités. Il y a des gens même qui ovationnent les impossibilités. Il y a des gens même qui comme on dit en anglais, qui praise les impossibilités. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la première révélation. Ils ont vu. Ils ont oublié qu'ils marchaient avec le Seigneur. Mais ils ont dit, c'est un fantôme. Combien de fois, ma soeur, mon frère, quand la situation devient dure, nous avons tendance à dire que c'est un fantôme. Oups. Excusez-moi. Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous rencontrons des situations difficiles et nous abandonnons automatiquement Dieu? Combien de fois, quand il y a des choses qui arrivent,
Dieu dedans. Mais tu te dis, est-ce que réellement c'est Dieu qui peut le faire? Les disciples, frères et sœurs, ma sœur, mon frère, ils ont été avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais quand les difficultés, quand il y avait la tempête, ils ont tout oublié. Ils ont vu que c'était un fantôme. C'est ça aussi l'homme. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des situations difficiles, la première des choses que nous sommes en train de voir, ce sont des difficultés. La première des choses que nous sommes en train de voir, ce sont des difficultés, ce sont des impossibilités, ce sont des fantômes. Mais une chose, il faut savoir que Jésus-Christ marche avec nous. Jésus-Christ est là avec nous. La deuxième révélation, c'est que, à part le fait de voir le fantôme, les yeux aussi peuvent reconnaître que c'est Jésus. Alors, lorsque tu vois que c'est un fantôme, la peur prendra place. Mais lorsque tu vois que c'est Jésus, c'est alors que tu auras la confiance. Alors, ma question est de savoir, pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère qui me suit, lorsque tu vois les situations difficiles arriver, est-ce que tu vois un fantôme ou tu vois Jésus? Est-ce que tu vois que c'est fini pour toi, il y a la mort, ou tu vois qu'il peut y avoir la vie? La vie chrétienne est une vie de détermination. Est une vie où nous devons rester fermes. C'est une vie où tu dois comprendre que le Seigneur marche avec moi. Même si je ne le vois pas, parce que les disciples ne le voyaient pas. Mais ils savaient que le maître est là. Mais à cause de la peur. Mais combien de fois à cause de la peur, nous avons pris certaines décisions? Combien de fois à cause de la peur, nous nous sommes écartés de la voie de Dieu? Combien de fois à cause de la peur, nous avons eu à prendre certaines décisions? Il y a des gens même bien aimés dans le Seigneur. Excusez-moi. Il y a même des gens bien aimés qui ont pris certaines décisions dans leur vie à cause de la peur. La peur de l'âge. Comme l'âge avance, je ne sais pas si je vais me marier. Automatiquement, tu te lances dans une aventure parce que tu avais peur, parce que tu as vu qu'il y avait un fantôme. Combien de fois il y a des gens qui se retrouvent de la sorte? Combien de fois, bien aimés dans le Seigneur, les gens ont peur? Les gens ont peur. Combien de fois nous avons vu avec cette histoire de corona, combien de fois des gens ont peur? La peur de la mort, la peur que la vie va s'arrêter. Mais au contraire, la vie continue. Parce qu'au milieu de la tempête, il y a deux images. La première image, c'est l'image des fantômes. C'est ça la réaction humaine. Lorsque les choses ne marchent pas, nous avons tendance à incriminer les autres. Lorsqu'il y a la tempête, on voit seulement les diables. Lorsqu'il y a ceci, on voit bien les mêmes. C'est vrai, les diables peuvent envoyer cela. Mais c'est vrai, Dieu, Jésus-Christ peut être là en train de marcher. Jésus-Christ peut être là en train de te secourir. Mais comme dans nos pensées, nous ne voyons qu'une négativité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les fruits de nos pensées. Si tu penses d'une manière incorrecte, tu verras que ta vie sera affectée d'une manière incorrecte. Parce que, au fait, nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de changer toutes choses. Parce que Dieu nous l'a donné. Tu as cette capacité de pouvoir changer des choses. Mais le seul problème des fois, c'est que nous ne voulons pas. Des fois, nous avons peur. Des fois, nous nous posons la question de savoir est-ce que réellement Dieu va se manifester? Est-ce que Dieu m'a dit? Bien aimé, il y a certaines choses, excusez-moi de vous le dire, il y a certaines choses, tu n'as pas besoin que Dieu parle parce que Dieu a déjà révélé. Il y a des choses que Dieu a déjà révélées dans sa parole qu'il faudrait pleinement seulement entrer et marcher. Et marcher, bien aimé, dans le Seigneur. Parce qu'au milieu de la tempête, il y a deux images sur lesquels vous pouvez vous concentrer. Parce que la tempête amène le chaos. Lorsque tu as tes pensées focalisées sur la tempête, bien aimé, tu vois le chaos, tu vois que c'est fini. Mais attention, à part cela, le Seigneur survivant qui apporte aussi le calme. Les disciples, ils avaient besoin du Seigneur pour que le calme rentre. Bien-aimé, toi aussi qui me suis, le Seigneur est prêt aussi pour apporter le calme. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force.
ne promène pas tes regards inquiets par rapport à la situation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les tempêtes peuvent souffler. Les situations difficiles peuvent arriver. Mais notre maître, le Seigneur des armées, est toujours au contrôle de chaque situation. Il est le Dieu qui n'est pas dépassé par les événements. Mais il s'occupe, il veut d'abord renvoyer parce que s'il a fait, le Seigneur pouvait dire aux disciples, écoutez, restez là avec moi. Que je renvoie la foule après que nous allons partir. Au fait, normalement, les disciples ne pouvaient jamais laisser Jésus seul. Ils devaient veiller sur sa sécurité. Quelle imprudence qu'ils ont eu à commettre en laissant le maître et partir. Comme je l'avais dit auparavant, peut-être qu'ils étaient déjà fatigués. Ils en avaient marre de la foule. Et comme Jésus a dit, oh, qu'on va partir, mais normalement, ils devaient d'abord se préoccuper de la sécurité de Jésus. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils sont partis. C'est comme ça aussi des fois, lorsque les situations nous arrivent, au lieu de se préoccuper d'abord du royaume, au lieu de se préoccuper d'abord de la vie, de ta communion avec Dieu, tu prends d'abord une décision seule pour dire non, je dois partir, je dois les laisser, je dois faire ce que d'abord j'estime bon à faire. Mais lorsque tu rencontreras maintenant la tempête, le Seigneur sait, il a permis que les disciples partent pour les enseigner. Il y a des situations, ma soeur, mon frère, qui arriveront dans nos vies. Ce n'est pas pour que tu puisses mourir, mais c'est pour que tu sois enseigné. Dieu nous enseigne au travers des difficultés. Dieu nous enseigne au travers des choses qui peuvent arriver. Et pendant que les disciples étaient concentrés sur les fantômes, et tous ils disaient que c'était un fantôme, c'est alors que Pierre a dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne afin que je vienne. » Ce que Pierre cherche, c'est quelque chose qui le rapprochera de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, les autres peuvent parler de fantômes. Mais toi, tu dois chercher ce qui va te rapprocher plus du Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas tous avoir un même langage. Nous ne sommes pas appelés de la même manière. Chacun de nous, ma soeur, mon frère, a reçu une grâce spéciale de la part de l'Éternel. Il y a d'autres, ma soeur, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas tous de la même manière. Il y a des gens bien-aimés qui prient beaucoup parce que Dieu les a appelés aussi à pouvoir prier. C'est vrai, bien-aimés, nous pouvons prier. Mais il y a des gens bien-aimés qui ont reçu cette grâce-là de pouvoir prier. Mais aussi des gens qui ont reçu cette grâce. La Bible dit nous devons donner. Mais il y a des gens qui ont reçu cette grâce de pouvoir faire des libéralités. Tu te poses la question, mais c'est bien-aimé, il faut savoir. C'est à quoi Dieu t'a appelé. Et quand tu comprendras, tu verras que ta vie sera marquée d'une manière différente. Parce que eux tous, ils ont crié, c'est un fantôme. Mais Pierre s'est ressaisi. Il dit non, Seigneur, si c'est toi. Parce que moi, je connais. Pierre dit, moi, je connais que selon la loi de la pêche, lorsque vous arrivez au milieu et qu'il y a la tempête, vous voyez une forme, une image en blanc, cela veut dire que c'est un fantôme. Mais comme toi tu dis que tu n'es pas fantôme, les autres disent, mais moi je crois, si c'est toi, ordonne à ce que je puisse venir. Bien-aimé, les autres peuvent dire que nous allons mourir. Les autres peuvent dire que tout est fini. Mais ce que toi tu vois, qu'est-ce que toi tu vois? Les autres ont vu des fantômes. Mais est-ce que derrière les fantômes, toi tu ne vois pas, il y a la main de Dieu? M'embroché tarabake. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui n'a jamais changé notre Dieu. Il est le Dieu qui est capable d'intervenir là où les autres voient les fantômes. Mais derrière les fantômes, toi aussi tu peux voir Jésus. Derrière les difficultés, toi aussi tu peux voir que Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, bien aimé, il ne faut jamais emprunter ce qui n'est pas à toi. Ne prends pas les langages d'autres personnes. Ne parle pas par rapport à d'autres personnes. Mais utilise ton propre langage. Parce que quand Dieu vient nous sauver, bien aimé dans le Seigneur, l'appel est général. Mais la voix de l'Éternel est individuelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La voix de l'Éternel est individuelle. Vous pouvez être marié, vous pouvez être des couples, mais quand le Seigneur vient parler, ton mari ne peut ne pas écouter, ta femme ne peut ne pas écouter, mais lorsque tu écoutes, toi tu dois marcher, parce que les autres ne voient que des fantômes, mais toi, est-ce que toi aussi tu vois des fantômes?
Notre Jésus, il peut venir sous une forme de fantôme. Les autres peuvent voir que c'est un fantôme. Mais toi, tu sais. La Bible dit, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Et Pierre a dit, si c'est toi, maître, ordonne. Parce que je veux, ce que je cherche, c'est que je me rapproche de toi. Lorsqu'on se rapproche de Jésus, lorsqu'on est plus proche de Jésus, on ne voit pas les choses comme les autres voient. On ne parle pas de la même manière que les autres. Mais au fur et à mesure que je m'approche de Jésus, je parlerai comme Jésus, je verrai comme Jésus. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous ne nous appelons pas de n'importe. Mais nous sommes des chrétiens. Cela veut dire comme Christ. Quand je vois comme Christ, je deviens comme Christ. Quand je vois comme Christ, je deviens comme Christ. Quand je parle, quand Christ parle, je parle comme Christ, je deviens Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu est le Dieu qui est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, Mambrocheta. Pierre a dit, ce que je cherche, ce que les autres n'ont pas encore vu. Ce que je suis en train de chercher, les autres ne l'ont pas encore reconnu. Mais ils ont vu que c'est un fantôme. Mais moi, je reconnais que l'homme qu'on avait laissé de l'autre côté de la rivière, cet homme-là est en train de nous suivre. C'est cet homme-là. Je vais dire à quelqu'un, l'homme de Galilée, l'homme qui peut marcher sur les eaux, l'homme qui t'a laissé. La Bible dit, malgré nos infidélités, il reste fidèle. Nous avons été infidèles dans un domaine donné. Il nous a laissé. On faisait cavalier seul. Tu conduisais ta vie. Tu n'avais plus besoin de Dieu. Mais voilà que tu es arrivé au niveau de la tempête. Tu es arrivé au niveau des difficultés. Tu te poses des questions. Mais tu étais dans un groupe des gens qui se sont dit, Dieu n'agit pas. Mais lorsque Dieu, Jésus vous a laissé au milieu de la tempête, les autres commencent à crier, c'est un fantôme. Les autres commencent à crier avec cette histoire de corona, nous allons mourir. Avec la perte du travail, nous allons mourir. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est de chercher l'intimité, de t'approcher auprès de Jésus. Bien-aimé, il ne nous abandonne pas. Il ne nous rejette pas. Peu importe les situations, peu importe ce que tu as connu avant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe les circonstances, il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Il fera quelque chose. Il interviendra. C'est pourquoi Pierre, Pierre, lorsqu'il a entendu, il a reçu la révélation des quatre aspects de Jésus. Alléluia. Oh, Mambrochete, Rebokalabachete. Lorsque tu te rapproches de Jésus, tu connaîtras les quatre aspects de Jésus. Le premier aspect de Jésus, Jésus-Christ, c'est la personne même de Jésus. La personne même de Jésus. Lorsque tu connais le premier aspect, la personne de Jésus, la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 12, le premier verset jusqu'au verset deuxième. Hébreux, chapitre 12, 1 à 2, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, le premier aspect que Pierre a vu, c'était la personne de Jésus. Bien-aimé, si tu veux reconnaître, si tu veux vivre la personne de Jésus, débarrasse-toi de tout ce qui est fardeau. Débarrasse-toi de tout ce que les gens peuvent dire. Débarrasse-toi de tout ce que l'environnement te donne. Vous savez, l'environnement nous donne toujours des choses qui sont contraires. Ce matin, pendant que je sortais pour aller au travail, je conduisais ma soeur, mon frère. Mais ici, à Birmingham, en Angleterre, il y a eu une pluie torrentielle. Vous savez, la voiture était en train de bouger parce qu'il y avait un vent. Il y avait un vent terrible. Mais les autres se sont dit, à cause de ces vents, moi, je n'irai pas au travail. Mais moi, je me suis dit, non, mais moi, je vais aller. Moi, je vais aller. Pourquoi? La personne de Jésus, lorsque tu comprends qui est Jésus pour toi, tu abandonneras tous les fardeaux. Tu abandonneras tout ce qui est lourd. Tu abandonneras tout ce qui est contraire. Parce que tu veux aller encore plus loin. Tu veux percer encore dans les domaines de Dieu. Tu veux encore atteindre Dieu d'une autre manière. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, je voudrais encourager quelqu'un ce soir pour lui dire, rappelons-nous que nous sommes appelés
des chrétiens. Cela veut dire d'après Jésus. Nous ne sommes pas appelés d'après Moïse. Nous ne sommes pas appelés d'après Jean. Mais toute autre figure n'a pas d'impact dans notre vie. Mais nous nous sommes appelés à voir l'image de la personne de Jésus. De la personne de Jésus. Enlève tout fardeau. Enlève tout ce qui est contraire. Enlève tout ce qui peut amener une charge dans ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Quand Pierre a vu la personne de Jésus, il a dit non, je dois abandonner, je dois laisser tous les fardeaux. Je dois sortir de l'environnement là où il y a des gens qui voient des fantômes. Si tu veux aller loin, ma soeur, mon frère, sors de cet environnement. Parce que je le dis toujours, nous sommes le fruit de notre environnement. Si tu ne changes pas l'environnement, bien aimé, ton environnement te changera. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu ne changes pas ton environnement t'influencera. Les gens qui sont tout autour de toi commenceront à t'influencer pour te dire, non, ce que toi tu as vu, ce sont des fantômes. Ce que toi tu as vu, c'est ceci. Mais lorsque tu changes ta manière de voir les choses, lorsque tu changes ta manière de concevoir des choses, ma soeur, mon frère, Dieu se manifestera. La révélation de Dieu dépend de ce que chacun de nous considère Dieu dans sa vie. Si tu vois un Dieu qui est grand, bien aimé, il se manifestera dans la grandeur. Si tu vois que c'est un Dieu petit, il se manifestera aussi dans sa petitesse. Raison pour laquelle chacun de nous, ma soeur, mon frère, doit prendre conscience de cette chose. Alléluia. La personne de Jésus, enlève tout fardeau. Enlève tout ce qui t'environne. Dégage-toi. Enlève, fais tomber ton manteau. Comme Bartimée, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus, il a fait tomber son manteau. Il a dit, je suis fatigué. Enough is enough. I'm so tired. Je suis fatigué. Je jette mon manteau. Parce que je crois que lui, sa personne, vaut mieux que le manteau. Parce que le manteau m'identifiait comme étant mendiant aveugle. Mais avec lui, j'aurai une autre connotation. Bien-aimé, avec le Seigneur, lorsque tu marches avec le Seigneur, bien-aimé, tu auras une autre connotation. Les gens ne te verront pas, bien-aimé, de la même manière. Je crois à la puissance de l'évangile. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Non pas demain, mais instantanément, lorsque nous écoutons la parole a la capacité de nous transformer à cause de la personne qui est l'auteur de la parole. L'auteur de la parole, ce n'est pas mon père. L'auteur de la parole, ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas un président de la République. Ce n'est pas une reine. Ce n'est pas un roi. Mais l'auteur de la parole, c'est le roi des rois. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er, elle s'est faite chair. C'est cette parole, elle s'est faite chair. Cela veut dire, elle comprend. Elle comprend. Oh, membre, shekaratebo, seterebe. N'hésitez pas. Ne crois qu'il est le Dieu qui est puissant. Crois qu'il est le Dieu qui marche avec toi, peu importe la tempête, mais crois à la personne de Jésus. Ta situation est en train de perdurer. Tu n'as plus d'espoir. Retiens une chose. Si les vents soufflent fort, ne sois pas dans les doutes. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans les doutes. Il est là. Il est là, notre Dieu. Il est là. Ne sois pas dans les doutes. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne sois pas dérangé. Dieu est là et il connaît ce qu'il doit faire en son temps. M'embrochette là-bas. Ça, c'est le premier aspect que Pierre a découvert, la personne de Jésus. Le deuxième aspect que Pierre a découvert, c'était sa présence. La présence. Parce que les autres voyaient que c'était un fantôme. Mais lui voyait que c'était Jésus. Lorsque nous lisons dans la Bible, la Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, verset 15, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire, moi aussi j'aime la parole de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'aime la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1er verset 15. La Bible dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier né de toute la création. Verset 17. La Bible dit. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Suivez bien. Il est avant
toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Waouh! Mambrocheta. Il est avant toutes choses. Cela veut dire avant ton problème, il exista. Avant tes difficultés, il est Dieu. Avant les complications, il est Dieu. Parce qu'il est, il est la représentation. Il est la représentation du Dieu invisible. Alléluia. God, il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Cela veut dire avant que ton problème là n'existe, lui il est là. Avant que tu marches dans la crainte, il est là. Est-ce que quelqu'un peut me dire, j'aime aussi la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire, quelqu'un vient, mais je veux prêcher avec toi. Aujourd'hui, je ne vais pas danser, mais je veux seulement prêcher. Je veux prêcher avec toi. Je veux partager la sainte doctrine avec toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, moi aussi j'aime la parole de Dieu? Oh, mandele boshata là-bas. Moi aussi j'aime la parole de Dieu. Moi aussi j'aime la parole de Dieu. Kolabachete. J'aime la parole de Dieu. Mandele boshata là-bas. J'aime la parole de Dieu. Il dit ceci, il est avant toutes choses. Donc je me pose la question, les gens qui croient qu'ils ont un monopole sur ta vie, où sont-ils? Parce qu'il dit, il est avant toutes choses. Avant que les gens qui prennent l'audacité de pouvoir maudire, de pouvoir parler en mal dans ta vie, lui, il est déjà là. C'est la bien-aimée. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a des choses, le fait que nous sommes chrétiens, automatiquement Jésus joue un rôle d'un parapluie, d'un paratonnerre qui nous protège de toutes les mauvaises paroles qui ont été dites, que tu sois consciente ou inconsciente. Mais la personne de Jésus, sa présence, le fait qu'il est là, il rassure. Le fait qu'il est là, il... C'est pourquoi, ça bien aimé, sa présence nous rassure que peu importe les situations, il est là avec moi. Il marchera avec moi. Il ne permettra pas que ces choses m'arrivent. Il ne permettra pas parce qu'il est avant toutes choses. Il voit. Il sait qu'il y a une situation qui doit arriver. Il sait que tu es dans une situation. Mais le problème, il n'est pas loin. Il est avec toi. Il est avec toi. Bien-aimé, la prise de conscience de la personne de Jésus transformera notre vie. La prise de conscience de la présence imminente et permanente de Jésus transformera notre vie. Le monde n'a pas, bien-aimé, le monde, les sorciers, tout, bien-aimés, ils n'ont pas le droit de se moquer de nous. Nous avons trop laissé du temps. Nous les avons permis de faire quoi que ce soit parce qu'on avait peur. Parce qu'on a adopté le langage des fantômes. On a adopté le langage du monde pour dire que c'est fini. C'est fini. Bien-aimés, moi, je ne suis pas de la catégorie des finis. Moi, je suis de la catégorie des jusqu'au boutistes. Cela veut dire des gens qui croient avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je ne me fatiguerai pas. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Si demain ça ne marche pas, après demain ça va marcher. Même s'il faut attendre, bien-aimé. Si j'ai patienté déjà autant d'années, cela veut dire qu'aujourd'hui, demain, bien-aimé, ça ne m'empêcherait pas de pouvoir attendre. Ça ne m'empêcherait pas de pouvoir patienter parce qu'il est le Dieu qui est là. Sa présence. Oh, je sens tellement sa présence que je commence à bouger pour danser. Mais je ne veux pas trop danser, mais je veux dire à quelqu'un. Je veux rassurer quelqu'un qu'il est présent au milieu de nous. Je veux rassurer quelqu'un qu'il est le Dieu qui est présent. Je veux rassurer quelqu'un, il marche avec nous. Peu importe la tempête, bien-aimé. Peu importe, bien-aimé, qu'on annonce la récession, qu'on annonce ceci, il est avec nous. Il est le Dieu de la récession, il est le Dieu de l'abondance. Il n'y a rien qui peut effrayer notre Dieu. Il n'y a rien, sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi sa présence, sa présence, sa présence, sa présence, lisons Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 28 nous dit quelque chose. Matthieu 28, 28. Alléluia, alléluia. Soyez bénis abondamment vous qui êtes connectés et vous suivez cette parole qui, je crois fermement, va apporter aussi une révolution. Matthieu chapitre 28, verset 18.
Matthieu chapitre 28, verset 18. Et la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur dit, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Bien aimé, après la conscience de la présence, le troisième aspect de Jésus, c'est son pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir qu'il nous donne. Le pouvoir qu'il nous donne. Le problème avec nous, nous ne savons pas comment exercer notre pouvoir. Lorsque la reine d'Angleterre arrive quelque part, il suffit qu'on annonce que c'est la reine. Automatiquement, son pouvoir entre en action. Les gens doivent s'élever, les gens doivent obéir, parce que c'est un pouvoir qui était investi. Un jour, il y avait un homme de Dieu. Pendant qu'il était en train de dormir, il a reçu une grande vision, il parle avec le Seigneur. Et dans sa vision, subitement, il a vu qu'il y avait un singe qui apparut, qui bloquait maintenant la conversation. Au fur et à mesure qu'il continue à parler, Jésus-Christ devenait de plus en plus distant, jusqu'à ce qu'il y avait une grande nuée, il ne pouvait plus. Mais alors, en lui, il y a quelque chose qui monte, il dit, mais, au nom de Jésus, automatiquement, bien aimé, la nuée a disparu, le singe l'a acquitté, et il pose la question à Jésus. Mais Seigneur, pourquoi, pendant qu'on était en train de parler, tu n'as pas chassé cet esprit? Jésus dit, non, je ne peux rien faire parce que j'ai tout donné. Tu as tous les pouvoirs. Tu as tout entre tes mains. Moi, je ne peux rien faire. Cela veut dire, ma soeur, mon frère, nous avons le pouvoir au nom de Jésus. La Bible dit, aucun nom n'a été donné si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus par lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Cela veut dire, dans les trois dimensions, dimension invisible, visible et souterrain, le nom de Jésus est élevé. Utilisons notre pouvoir. Nous ne savons pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons, combien le monde des ténèbres, bien-aimés, est en train d'être bougé à cause du nom de Jésus. Bien-aimés, quand je parle de Jésus, je sens comme si en moi, il y a des picotements. Je vous donne un exemple, je l'ai toujours donné dans ma vie. Le monde est subdivisé en deux, avant et après Jésus. Cela veut dire que si Jésus n'avait pas marqué l'histoire, si Bouddha avait marqué l'histoire, on allait obéir. Si Mahomet avait marqué l'histoire, on allait obéir. Mais notre Jésus a bouleversé l'histoire de la nation, a bouleversé l'histoire de l'humanité. L'humanité subdivisée avant Jésus, on classifie tout le monde, que ça soit Confucius, on le qualifie avant Jésus. Oh, bien aimé, et après Jésus, c'est le temps où nous sommes en train de connaître la gloire, c'est le temps où nous sommes en train de vivre. Tu as le pouvoir, tu comprends? Tu as le pouvoir. Mais nous ne savons pas comment utiliser notre pouvoir. Mais le Seigneur est en train de dire, tout pouvoir nous a été donné. Il t'a donné. Ce que tu refuseras sur la terre sera refusé au ciel. En d'autres termes, tu as la capacité de changer les choses. Tu as la capacité de modifier la nature. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria, il ordonna, il n'y avait pas de pluie. Vous comprenez? Tu as le pouvoir de pouvoir changer les choses. Tu peux t'élever dans ta famille, t'élever et changer la situation. Les difficultés que tu es en train de connaître. Tu es sur le point de divorcer. Lève-toi. Tu as le pouvoir de parler à cet esprit. Esprit, écoute-moi, tu as frappé à la mauvaise porte. Ici, dans cette porte, il n'y a pas de divorce. Tu as le pouvoir de pouvoir t'élever. Et lorsqu'il y a des choses qui se manifestent bizarres, des phénomènes bizarres, tu peux t'élever parce que tu as le pouvoir. Nous avons été investis. Je me rappelle à l'époque, il y avait des gens qu'on appelait les ambassadeurs plénipotentiaires. Cela veut dire qu'ils représentaient, c'était eux. C'est-à-dire c'est le président en miniature dans un autre pays. Et selon la loi, une ambassade, c'est un pays dans un pays. Et bien aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a investi de ce pouvoir, d'être là, de pouvoir commander, de pouvoir changer les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai le pouvoir? J'ai le pouvoir. Ça, c'est le troisième aspect que Pierre avait compris en Jésus. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de menacer la tempête. Il avait le pouvoir. Bien-aimé, tu as aussi le pouvoir de changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu es en train de vivre
des choses difficiles parce que tu les as acceptées. Mais la révolution ne commencera au moment où tu te révoltes. Les jours où tu vas te révolter toi-même. Les jours où tu vas te révolter contre les situations. Les jours où tu diras « enough is enough ». Les jours où tu diras « trop, c'est trop ». C'est alors que tu vas exercer ton pouvoir. Et c'est alors que tu vas te lever pour dire « cette situation doit prendre fin aujourd'hui ». Et quand tu le fais, oh, la Bible dit « comme la pluie descend des cieux, arrose à ceux qui manquent, cela en est de la parole de Dieu, qui ne retourne point ». Sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été destinée. Bien-aimé, lorsque tu prononces la parole de Dieu, elle est sortie, elle doit avoir des effets. C'est pourquoi tu as le pouvoir. Nous avons déjà parlé sur la langue. Comme tu soignes bien ta langue, tu dois apprendre à parler et à bien parler. La qualité de ta vie dépend des choses qui sortent de ta bouche. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, je suis en train de parler à quelqu'un. La qualité de ta vie dépend des choses qui sortent de ta bouche. Si tu parles bien sur ta vie, bien-aimé, les choses arriveront. Si tu parles bien, change la qualité. Change ta manière de parler. Tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir de déclencher les choses. Tu as un pouvoir de changer les choses. Ta vie ne doit pas être similaire à la vie d'autres personnes. Dans la vie, bien-aimé, nous nous démarquons. J'ai toujours dit et je le reprends. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu seras monsieur ou madame tout le monde. Mais le jour où tu comprendras que tu ne l'es pas, tu feras des choses que les autres n'ont pas fait. C'est alors que tu marqueras ton histoire. C'est alors que tu marqueras ton identité. C'est alors que les gens te connaîtront. Parce que tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Je ne dis pas de voler. Cela veut dire lorsque tu rentres en toi-même, tu comprends ta vraie nature. Tu feras ce qu'est ta nature. Tu ne feras pas ce que les autres font. Notre vie, généralement, nous vivons une vie de copie. Nous voulons copier les autres. Nous voulons copier le langage des autres. Mais non, mais non, mais non, mais non. Toi, tu es un ambassadeur plénipotentiel. Tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. C'est toi qui donnes le visa aux gens pour aller au ciel. C'est toi qui prêches la parole. Bien-aimé, c'est toi qui as le Seigneur. C'est lui qui a la clé pour toutes choses. Le pouvoir. Ouais, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, ma soeur. Ne vis pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Tu as le pouvoir de changer les événements. Tu vis des événements fâcheux. Il y a des phénomènes bizarres. Lève-toi. Utilise ton pouvoir. Parce que Jésus a parlé à la tempête. Et la tempête se calma. Toi aussi, tu as la capacité. Parce que ce Jésus-là habite en toi. Habite en moi. Nous avons la capacité de faire ce que Jésus faisait. Gloire soit rendue au Seigneur. Le quatrième aspect, dont je parlais du premier aspect, c'était la personne de Jésus. Deuxième aspect, c'était sa présence. Troisième aspect, son pouvoir. Mais quatrième aspect que Pierre a découvert, c'était dans Jean chapitre 16, le verset 33. Oh, gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 33. La Bible dit ceci. Que Dieu te bénisse, Maman Sena. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez, mais c'est une promesse. Dans le quatrième aspect, c'était la promesse. C'est la promesse. Bien, mais nous avons la promesse que les tribulations viendront. Qu'est-ce que le révérend Samuel est en train de dire? Oui, les tribulations viendront, les difficultés viendront. Mais il dit, il rassure, il dit, je vous donne la promesse. Cette promesse, je ne l'ai pas demandé à quelqu'un. Moi-même, je m'engage. Je m'engage. Oh, j'aime cette parole. Ça, c'est une parole que le Seigneur Dieu m'a toujours donnée. Au moment où il y a des tempêtes, il y a ceci. Je voudrais partager aussi cette parole avec toi afin que tu comprennes une certaine réalité. Hébreux chapitre 6, le verset 13e. La Bible dit... Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14. Et dit, certainement, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu! Non, cela veut dire, il a cherché des gens
pour prêter serment. Mais il n'a vu personne. Il prête serment en son nom personnel pour dire certainement. Vous savez en français, quand on dit certainement, surely, cela veut dire certainement. Cela veut dire qu'on est en train d'amplifier une vérité. Jésus dit certainement. Certainement, je te bénirai, je te multiplierai. Bien-aimé, la promesse de Dieu, les hommes sont faillibles, mais notre Dieu est infaillible. La promesse que Dieu a faite dans ta vie, que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Quand je parle de la mort, je suis en train de parler dans tous les aspects de la mort. Il y a dans ta vie une mort émotionnelle. Que le Seigneur apporte la vie au nom de Jésus. Tu es en train de traverser des situations difficiles. Tu es mort financièrement. Tu es mort matériellement. Laisse que la résurrection se produise au nom de Jésus. Tu es mort au niveau marital. Laisse que la résurrection se produise au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, laisse que cette parole te localise. Laisse que cette parole te localise. Que cette parole te localise. Bien aimé, les autres ont parlé différemment. Mais Pierre s'est démarqué. Pierre s'est démarqué. Je veux que quelqu'un ce soir se démarque de la foule. Ne sois pas comme tout le monde, mais démarque-toi. Il y a la promesse que Dieu a faite pour toi. Il y a la promesse de Dieu. Il y a la promesse de Dieu. Il y a la promesse de Dieu. Et lorsque Pierre a vu ces quatre aspects du maître, il s'est rendu compte d'une chose. Qu'il était avantageux. Il était avantageux. Que le maître reste, parce que sinon, nous n'allons pas apprendre des choses. Pierre, ma soeur, mon frère, écoutez ce que je veux dire. Tu ne pourras jamais marcher sur les eaux tant que tu ne crois pas le miracle de marcher sur les eaux. Ah ouais, je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, tant que tu ne crois pas au miracle de marcher sur les eaux, tu ne marcheras pas. Pierre, les disciples ont dit que ce n'était pas possible. Mais Pierre a marché sur les eaux. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il a cru au miracle qu'il peut aussi marcher sur les eaux. Ma soeur, mon frère, même s'il y a des choses qui sont difficiles, s'il y a une personne qui a réussi, si tu as déjà vu quelqu'un dans la même situation que toi, mais qui est sorti, mais qui a vu la main de Dieu. Ah, bien aimé, toi aussi, tu dois voir la main de Dieu. Oh, non, je suis en train, bien aimé, je suis en train de te parler ce qui est vrai. Moi, je me dis, que la personne soit païenne ou chrétienne, traverse la même situation que moi. Elle est sortie. Elle peut témoigner. Moi aussi, je sortirai. Moi aussi, je témoignerai. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Je dis toujours, Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Comme il est le Dieu de tout le monde, il fera quelque chose dans ta vie. Aïe, 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 je suis en train de parler à quelqu'un. Pierre dit, si c'est bien toi Seigneur, ordonne. Cela veut dire, donne ordre. Parce que moi-même, je ne peux pas. Mais toi, tu peux donner l'ordre que je puisse marcher. Oh, Mandelebo, c'était le bien. Parce que Jésus commence d'abord. Parce que nous rentrons dans Matthieu chapitre 14. Hein. Le verset 25, la Bible dit, vers la fin de la nuit. Cela veut dire qu'ils arrivaient déjà près du bord. Mais c'est en ce moment-là que les difficultés arrivent. Et même les gens disent que le navire, le bateau ne chavire que lorsqu'il doit atteindre le quai. En d'autres termes, au moment où tu veux atteindre ta promesse, c'est en ce moment-là que les difficultés viendront. Je veux rassurer quelqu'un. Lorsque tu pries, mais tu constates que les choses deviennent difficiles, sache que la main de l'Éternel commence à agir. Ah ouais? La main de l'Éternel commence à agir. Ne te fatigue plus. Généralement, nous nous fatiguons au moment où nous voulons atteindre la promesse. Et nous disons à nous-mêmes, non, j'ai trop prié. J'ai trop fait ceci. Bien aimé, c'est en ce moment-là. La Bible nous dit, vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Mais le problème est que les gens qui étaient de l'autre côté, comme ils sont partis, ils ne se sont pas préoccupés. Mais Jésus commençait à marcher.
Cela veut dire, le chemin là où les autres ont utilisé les voies mondaines pour réussir. Mais avec Jésus, Jean chapitre 14, le verset 6 nous dit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire, c'est que si les autres ont utilisé les voies détournées, moi j'utiliserai les voies, la voie de Jésus. Et avec la voie de Jésus, il y a des miracles qui vont s'opérer au nom de Jésus. Et la Bible dit, quand ils virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Je ne sais pas comment ils criaient, dans quelle langue, je ne sais pas, en hébreu, je ne sais pas moi, dans quelle langue. Mais ils ont commencé à pousser. C'est comme ça lorsque les circonstances s'élèvent dans notre vie. Nous commençons à crier. Il y a des gens qui disent, maman, la mala koufie. Il y a d'autres qui disent, non, je vais mourir pour moi. Comme disent, pour moi, là, ça, c'est fini. Il y a des gens qui crient lorsqu'il y a des problèmes. Ils crient, bien aimé. La peur arrive. Mais Jésus-Christ, connaissant les disciples, comme il était avec eux, Jésus-Christ a dit, mais Jésus parla aussitôt, rassurez-vous. Leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Il y a deux choses. L'assurance, il les a rassurés. Et je vais dire à quelqu'un, le Seigneur te rassure que c'est lui qui est là. Les gens que toi tu vois que des fantômes, Jésus est là. Change maintenant la manière de voir. Ne vois plus de fantômes. Ne crois plus aux fantômes. Crois maintenant à Jésus. Parce qu'il dit, Jésus leur parla aussitôt, rassurez-vous leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. N'aie pas peur. Change ta manière de voir les choses. Renouvelle ta vue. Tu voyais comme tout le monde. Tu pensais comme tout le monde. Tu faisais comme tout le monde. Change ta manière de voir. Peu importe là où tu es bien-aimé. Peu importe que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, partout là où tu es, que tu sois en Guadeloupe, en Martinique, change ta manière de voir pour dire, ma soeur, mon frère, là où je suis, comme Dieu est avec moi, comme Jésus marche avec moi, c'est possible que tout change. Aïe, mando, bochette, c'est possible, Jésus est avec nous. C'est possible que tes enfants changent. C'est possible que ta femme change. C'est possible que ton mari change. C'est possible, bien-aimé. Tout est possible. Et je le dis et je le reprends. L'impossibilité n'existe que dans la tête de celui qui croit. Si tu crois l'impossibilité viendra. Mais si tu crois que malgré l'impossibilité, la possibilité est toujours là, tu sortiras. Tu sortiras toujours. Dans n'importe quelle situation, tu sortiras. Et je décrète et je déclare au nom de Jésus que tu sortes de cette situation au nom de Jésus. Nous prêchons ce qu'on appelle, bien-aimé dans le Seigneur, comment je peux dire? The living God. La parole de Dieu vivante. Nous prêchons une parole qui est vraie. Nous prêchons une parole qui est digne de confiance. Parce que c'est Jésus-là. Il rassure. Je veux rassurer quelqu'un. Même si la mer se déchaîne. Même si les vents soufflent fort. Même si les sorciers se sont levés. Même si les difficultés, même si l'économie est en train de sombrer. Mais je crois que Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ a dit, soyez calme. C'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 12. Mais il n'y a qu'un seul qui s'est démarqué. Bien-aimé, démarque-toi. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Démarque-toi des autres. Démarque-toi de la société. Démarque-toi des langages négatifs. Démarque-toi de la mort. Démarque-toi des gens qui ne croient pas la puissance de Dieu. Il y a des gens qui viennent dans les églises, mais qui ne croient pas la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont la Bible, mais qui ne croient pas la puissance de Dieu. Parce que les disciples, ils étaient avec Jésus. Mais lorsque Jésus a parlé, les autres se sont retirés en disant, non, pourquoi je dois marcher dans l'eau? Pourquoi pas attendre? Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur que tu dois faire des pas, que tu dois avancer parce qu'il t'attend, il t'appelle. Pierre dit, si c'est bien toi, ordonne, je veux venir. Et Pierre, Jésus a dit, c'est moi, viens. Pierre a pris cette audace. Pierre a pris. Et bien aimé, lorsque tu renouvelles ta manière de voir, lorsque tu renouvelles ta manière de voir, la première des choses qui va arriver, bien, mais tu seras brave, tu seras courageux. La vie n'appartient pas pour les peureux.
Alléluia. La vie appartient aux courageux. Tu dois être un courageux. Bien-aimé, ne sois pas un paresseux. Ne sois pas quelqu'un qui désespère à tout moment. Quelqu'un qui abandonne. On te dit, ceci ne va pas marcher, tu abandonnes. Bien-aimé, non, ne sois pas de cette nature. Sois un battant dans la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sois un battant. Bats-toi dans la vie. Ne te décourage pas. Jésus est avec toi. Si les autres ont réussi, si les autres ne réussissent pas, tu peux être la première personne. Bats-toi dans la vie. Ne relâche pas. Même si on dit que le travail est devenu difficile, toi, bats-toi, continue. Tu vas voir. Même si on dit, on ne peut plus, mais bats-toi. Bien-aimé, nous ne sommes pas des gens qui doivent se fatiguer. Tu ne dois pas abandonner. Quelqu'un vient te dire, non, tu sais, c'est devenu difficile. Toi, tu dis, eh oui, non, bien-aimé, non. Parce que les 11 ont dit que c'était impossible. Mais Pierre est sorti. Il était encouragé. Dans la vie, démarque-toi par ton courage. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Sois courageux. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je suis courageuse? Je suis courageux. Dis avec moi, je suis courageux. Il faut se battre dans la vie. Pendant que les autres disent que c'est fini, bats-toi. Non, je parle à quelqu'un. Bats-toi. Ne te relâche pas. Bats-toi. Des fois, des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, on se fatigue trop. On se relâche au nom de Jésus. Et pourtant, le Seigneur a besoin. Il a déjà ordonné. Il a besoin maintenant de ton courage. Que tu te lèves maintenant et que tu t'engages. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Bats-toi. Sois courageux. Lorsqu'il a vu, sois courageux. Les situations que tu vois, sois courageux. Lève-toi. Parfume-toi. Continue ta marche. Ne te laisse pas parce que les gens disent ceci. Tu te présentes avec une mauvaise mine, bien-aimé. Non. Sois courageux. On t'a chassé du travail. Tu n'as plus de travail. Oh non, c'est la fin de ma vie. Ce n'est pas de la fin de ta vie. Reprends encore. Prends encore le CV. Envoie encore. On va encore t'engager. Et tu seras encore mieux. Parce que la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Ne te décourage pas. Tu n'es pas la première personne à perdre du travail. Tu sais ça. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Cela veut dire, s'il y a des gens qui ont perdu bien, mais moi j'ai perdu combien de fois le travail? Combien de fois? Mais je me suis dit, je dois me battre. Dans la vie, on se bat. Quand on est avec Jésus, on se bat et la victoire est de notre côté. Ne laissons pas bien aimer, ne laissons pas les choses. N'ayons pas l'habitude de dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, mais quand ces versets de la Bible parlent de ces choses, cela veut dire que tout doit contribuer à ton avancement. Lorsque tu te relâches, est-ce que ça contribue à ton avancement? Loin de là. Alors, il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. N'encaisse pas. Tu comprends? N'encaisse pas les choses. Ne reste pas là comme un dépotoir où on vient lancer tout ce qui est négatif en toi. Et toi, tu es là comme accepté. Et tu commences même à véhiculer. Tu commences même à parler de cela. Non, sois courageux. Relève-toi, sois courageux. Dans la vie, bien-aimé, ce sont des courageux. Moi, je me rappelle Bakom au pays. Lorsqu'il y avait les deuils, vous arrivez au deuil, vous n'allez pas comprendre. Il y a des enfants qui vendent les œufs, qui vendent les arachides, qui tournent. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Ils suivent des nécrologies, ils écrivent les adresses, ils payent, ils savent que toute la nuit, vous allez les voir en train de passer 1000 fois. Il passe, il te dit, est-ce que tu n'as pas acheté? Tu dis, non, je ne l'achète pas. Jusqu'à ce que tellement il va t'embêter, tu seras obligé d'acheter. Cela veut dire, bien aimé, quand tu es courageux, les événements vont se retirer. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Sois courageuse, ma sœur. Sois courageux, mon frère. Sois courageux. Sois courageuse, ma sœur. Nous abandonnons. Bien-aimé, quand il y a un problème qui arrive, non, je suis mort. Moi, ma vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie commence. Quand tu prends le courage, tu vas te relever. Tu vas continuer ta marche. Tu vas foncer. Et les gens qui t'ont vu te décourager, ils verront que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Parce que Jésus en toi, il te rend extraordinaire. Laissez-moi même me calmer maintenant. C'est comme si ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler à quelqu'un. Si je suis en train de parler à cette personne, la personne me dira c'est moi. Et quand tu dis que c'est moi, automatiquement cette parole te localise et tu deviens courageux. Tu deviens courageuse. Oh ma soeur, mon frère. Vous connaissez le président Truman des États-Unis. Ce président-là, il a été ruiné. Il était ruiné, broke, c'est-à-dire sur toute la ligne. Mais lorsqu'il a pris le courage, il est devenu président des États-Unis. Vous comprenez?
comprenez cela? Il est devenu président des États-Unis. Dans la vie, rien n'est encore consommé. Rien n'est encore perdu. Avec ton courage, tu as la possibilité d'aller encore plus loin. Dis avec mon courage. Dis avec mon courage. Parce que je sais que Jésus est déjà avec toi. Jésus marche. Maintenant, il faut maintenant le courage. Parce que soit tu restes avec les 11. Tu restes avec les 11 ou soit tu te démarques. La vie est faite de choix. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. La vie est faite de choix. Quel est ton choix? Rester avec les autres qui voient des fantômes ou te démarquer parce que le maître a ordonné. Et le maître ordonne en disant, c'est moi, viens. Comme il est là, sois courageux. Sois courageux, m'embrochez tes rêves. Sois courageux, sois brave, comme on dit en anglais. Brave, sois brave. La bravoure, nous voulons voir des gens, nous voulons voir des chrétiens. Je suis en train de parler des chrétiens, des courageux, non pas des gens qui se fatiguent. Lorsqu'ils apprennent, il y a une situation, ils sont là. C'est pourquoi je prie le Seigneur, que Dieu nous place, que Dieu te place dans des positions stratégiques. Que ce soit dans ta ville, qu'on retrouve un chrétien dans une position stratégique. Que tu sois la réponse d'une église au nom de Jésus. Que tu sois la réponse de quelqu'un au nom de Jésus. Que tu sois la réponse. Non, je suis en train d'amplifier cela pour dire à quelqu'un, laisse que tu sois la réponse. Que tu sois courageuse. Maman Sena, que tu sois courageuse. Que tu sois courageux, Manu. Que tu sois que quelqu'un soit courageux. Est-ce que je suis en train de parler aux courageux? Non, je vois comme si, c'est comme si c'est, je suis le seul à être courageux. Parce que je suis en train de parler aux courageuses qui sont là. Aux courageuses qui croient qu'après 5 tours, après 10 tours, tu vas vendre ton produit. Est-ce que je suis en train de parler à ces gens-là qui croient à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui croient aux capacités illimitées de Dieu, qui croient que Dieu peut le faire avec eux? Le courage, frères et sœurs. Prenons le courage. Affrontons les événements. La bien-aimé, la Bible dit, qui es-tu montant devant Zorobabel? Tu seras aplané. Frères et sœurs, ton courage. J'ai regardé un jour, je suis allé en Suisse. Pour ceux qui sont allés en Suisse, vous allez voir qu'ils ont creusé des tunnels. Et là, il y a des voitures qui passent, mais il y a la montagne. Pourquoi? Parce que c'est leur courage. C'est leur courage qui a permis à ce qu'ils se disent, peu importe la montagne, peu importe ceci, mais nous allons creuser. Parce qu'il y avait une personne qui avait l'idée de dire, on peut créer un chemin ici. L'Eurostar, bien aimé dans le Seigneur, tu passes, je ne sais pas moi, à peu près 20 minutes, nous passons. La mer, bien aimé, nous passons la mer. Mais il y a eu des gens qui se sont levés avec l'idée pour dire, nous, on peut raccourcir le temps. Au lieu de passer 2 heures dans un bateau, on peut utiliser 35 minutes pour traverser. Il y a toujours eu un courageux. Et je veux parler à un courageux d'une famille. Je veux parler à une courageuse d'une famille. Tu as la destinée de ta vie. Tu as la destinée de ta famille. Tu as la destinée de ton mariage. Tu as la destinée de tes enfants. Tu peux changer cela avec ton courage. Tu peux changer cela avec ton courage. Non, je parle à quelqu'un. Tu peux changer cela avec ton courage. Sois brave. Brave. Sois brave, je veux dire à quelqu'un. Sois courageux. Sois courageux. Ne te lamente pas. Ne t'abandonne pas. Bien-aimé, les gens qui ont commencé, ils n'ont pas tout fini. Ils n'ont pas tout fini, bien-aimés. Même si on voit des riches, ils n'ont pas tout fini. Ils n'ont pas fini les trésors. Notre tour aussi doit arriver. Mais pour que ton tour arrive, il faut être un courageux. Il faut être un battant. Dans la vie, ne te lasse pas, ne t'abandonne pas, ne laisse pas quand les choses arrivent, tu dis, moi, je ne peux pas. Bien-aimés, il faut bannir ces langages. Il faut bannir ces verbes, ne peux pas. Il faut bannir ces verbes de ton langage. Tu peux. Si l'autre peut, tu peux. J'ai dit, hein, si l'autre peut, toi aussi tu peux. Si l'autre a réussi à faire ce que toi tu vois que c'est impossible, tu peux le faire. Tu peux le faire. Est-ce que, écoutez, si tu comprends, est-ce qu'il y a moyen de me donner ne fût-ce que le cœur là pour voir que tu es avec moi? J'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de me donner ne fût-ce que le cœur là pour montrer réellement que ces choses que je suis en train de dire, tu manifestes un peu ton courage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'envoyer un peu ce cœur là? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ce cœur là pour dire, je suis avec toi? Envoie-moi un peu un cœur là pour, voilà. Est-ce qu'il y a un courageux, il y a une courageuse qui peut envoyer le cœur là, qui peut envoyer les likes là pour montrer réellement que tu es dedans, tu es dans la parole. Gloire soit rendue au Seigneur. Oh, bien-aimé. Après le courage, voilà, c'est pourquoi moi je vous aime. Vous êtes tellement connectés.
Deuxième chose, laissez-moi maintenant vous parler de la deuxième chose. Après le courage, la deuxième chose, tu dois devenir maître de ta situation. Maître de ta situation. Parce que Pierre est devenu maître de sa situation. Toi aussi, tu dois devenir maître. Quand on fixe les yeux, quand on change notre manière de voir, on devient maître de notre situation. Parce que Pierre est sorti. Il est devenu, Jésus n'était pas là, il est devenu maître de sa situation. Il commençait à marcher. Je veux dire à quelqu'un maintenant, deviens maître de la situation dans ta maison. Je dis, deviens maître de la situation dans ta maison. Que les phénomènes bizarres ressentent que toi tu es là. Tu es le maître absolu et que tu commandes. Oh, membre Chetarabake. Bien aimé, des fois, je me rappelle quand on était en Afrique, quand le maître de la maison arrivait, le papa, on fuyait. Parce que le maître est arrivé. Bien-aimé, toi deviens maître de ta situation. Lorsque tu es maître de ta situation, les démons vont commencer à fuir. Lorsque tu deviens maître de ta situation, cet esprit de divorce va fuir. Lorsque tu deviens maître de ta situation, les choses chaotiques vont disparaître. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Deviens maître de ta situation. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis devenu maître de ma situation? Cela veut dire, je contrôle toutes choses. Je contrôle toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la clé de la voiture, tu peux être à distance, tu appuies, les portières s'ouvrent, tu appuies un autre bouton, automatiquement l'engine, le moteur se met en marche. Cela veut dire que moi aussi je veux devenir maître de ma situation. Bien aimé, qu'aucune chose ne t'échappe. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Qu'aucune chose ne t'échappe. Les 11 sont restés, mais Pierre est devenu maître de sa... Bien aimé, ce soir, tu es maître de ta destinée. Non, je parle à quelqu'un ce soir. Tu es maître de ta destinée. Tu deviens maître de ta destinée. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, je parle aux soeurs qui m'écoutent. Tant que tu n'as pas encore atteint 50 ans, cela veut dire que c'est toi qui mets des limites. Parce que des gens, quand ils voient que c'est 50 ans, la vie est finie. Mais je veux te dire, peu importe l'âge, Dieu est le Dieu qui peut donner encore les enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu peut encore. Oui. Deviens maître de ta situation. Deviens maître de ta situation. Parce que l'analyse faite dit ceci, que le cerveau, c'est le cerveau qui commande. Quand quelqu'un est frappé de cardiovasculaire ou de AVC, cela veut dire que son cerveau ne fonctionne plus. Et comme c'est le cerveau qui dicte le mouvement de la main, et vous allez voir que sa main ne bougera plus, son pied ne bougera plus, peut-être que la bouche va aller de côté. Et je veux dire à quelqu'un, mais lorsque tu reprends maintenant, tu commences à commander tes pensées, tu deviens maître de tes pensées, tu deviens maître de tes mouvements, tu verras que tu vas commencer à marcher sur les eaux. J'ai parlé à quelqu'un. Tu verras que tu vas commencer à marcher sur les eaux parce que la parole du maître est déjà sortie. Viens, il t'appelle. Cela veut dire que c'est déjà sorti. Cela veut dire que tu peux aller encore plus loin. Tu peux encore monter. Écoute-moi. Abandonne la peur. Abandonne le doute. Il a dit, démarque-toi. Je parle à quelqu'un. Démarque-toi. 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 Laisse les autres. Même si ton corps est en train de parler d'autre chose, mais ce soir, démarque-toi. Quand il y a des choses bizarres dans ton corps, ce soir, démarque-toi. Prends autorité sur ton propre corps. Tu dis, mon corps, je t'ordonne de redevenir normal. Parce que c'est toi qui deviens maître de ta situation. Pierre a pris des risques. Bien aimé, il a marché, il y avait la tempête. Et c'était la nuit. Vous voyez, il y avait déjà la tempête. Il y avait la nuit. Et Pierre, connaissant qu'il y avait des fantômes, et Pierre sait que si tu te noies, il y a des requins. Donc, malgré toutes ces impossibilités, mais comme le maître avait dit, Pierre a pris les dessus. Bien aimé, ce soir, le Seigneur est en train de te parler. Deviens maître de ta situation. Que rien ne t'échappe. Je dis à quelqu'un, que rien ne t'échappe à partir de ce soir. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes choses.
prends contrôle de toutes tes choses. Lève-toi, marche dans ta maison. Commence à dire maintenant, je prends le recoin et le coin de ma maison. Commence à dire maintenant, mes finances, je deviens maître de mes finances. Les esprits qui volaient tes finances, mais toi maintenant, tu deviens maître. Aucun vol, aucune perte ne sera occasionnée. Deviens maître de ta famille. Là où tes enfants souffraient de maladies bizarres, tu vas même auprès d'un médecin. Le médecin te dit, non, on n'arrive pas à comprendre ta maladie, on n'arrive pas à comprendre la maladie de tes enfants. Oh, ce soir, lève-toi, prends maintenant, deviens maître de la situation. Lève-toi, la Bible dit, ce que tu refuseras sur la terre sera refusé au ciel. En d'autres termes, maintenant, prends possession, deviens maître, deviens gérant. Tu commences maintenant à gérer. Aïe, 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 aïe. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, combien le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut devenir maître de sa situation? Le Seigneur veut nommer quelqu'un gérant de sa propre situation. Est-ce que cette personne est là? Est-ce que cette personne est en train de m'écouter? Celle qui doit devenir gérant, qui doit devenir CEO, qui peut, oh, membre, qui peut devenir président délégué général de sa propre vie, de sa propre destinée, là où les diables avaient pris, là où les sorciers dictaient des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour dire, moi maintenant, j'assume la responsabilité de ma vie, je prends le contrôle de ma vie, je prends le contrôle de ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, que les phénomènes bizarres qui prévalaient dans ta maison, ce soir, nous prenons possession, ce soir, nous prenons les dessus, nous prenons contrôle. Vous savez, bien aimé, ce qu'on appelle la tour de contrôle. Au fait, le pilote, lui, a pour rôle de prendre seulement l'avion après les taxis amenés. Mais tout ce qui reste là, c'est la tour de contrôle. C'est la tour de contrôle qui lui dit, tu vas voler dans une telle attitude. Descends un peu plus haut parce qu'il y a un autre avion qui est au-dessus de toi. Ne vole pas trop bas parce qu'il y a un autre avion qui est en dessous. Oh, bien aimé, la tour de contrôle. Maintenant, lorsque toi, tu deviens la tour de contrôle de ta vie, tu sauras maintenant là où il faut monter, là où il faut descendre, là où il faut atterrir, là où il faut monter. Quel est le... Oh, man, de les bouchettes à la banque. Je parle à quelqu'un. Prends maintenant le contrôle de ta destinée. Prends le contrôle de ta destinée maintenant. Dieu marche avec toi. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir. Tu deviens la tour de contrôle. Est-ce que quelqu'un peut me dire, peut dire avec moi, je deviens la tour de contrôle de ma vie. La tour de contrôle de ma famille, la tour de contrôle de ma société. Cela veut dire que tout passe maintenant par toi. Yes, yes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je deviens maintenant la tour de contrôle. Rien n'échappe, rien n'échappe. Je contrôle toutes choses. Je contrôle toutes... Oh, servante de Dieu, bénie Marie, nous contrôlons toutes choses. Rien... Rien, je prends le contrôle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un peut me dire, je deviens la tour de contrôle de ma vie. Je deviens la tour de contrôle de ma vie. Est-ce que quelqu'un est là pour me dire, je deviens la tour de contrôle de ma vie? Tu commences à contrôler les choses. Au nom de Jésus, même les circonstances, même il y avait des choses qui te dépassaient à part de ce soir. Que tout soit localisé, que rien ne t'échappe. Que tu... Aïe, 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 aïe. Non, je te parle hein, de tout mon cœur pour te dire, deviens la tour de contrôle maintenant. Une tour de contrôle qui voit tout, qui sait quand il faut monter, qui sait quand il faut atterrir, qui sait quand il faut voler, à quelle attitude. Car le Seigneur a dit à Pierre, viens, c'est moi. Viens, c'est moi. Prends maintenant contrôle. Regarde ton ventre qui te dérange là. Regarde ta tête qui te dérange. Regarde, tu as des problèmes des articulations. Prends maintenant contrôle. Tu dis, articulation, sois guérie au nom de Jésus. Articulation, sois guérie au nom de Jésus. Mes pieds, sois guéris. Tu as des problèmes de rhumatisme. Prends contrôle et dis, rhumatisme, libère ma vie au nom de Jésus. Tu as des problèmes cardiovasculaires. On t'a dit, il te reste 5 ans. Tu dis, au nom de Jésus, je multiplie...
50 ans, parce que le plus robuste va vivre jusqu'à 120 ans. Mais toi, tu n'as à peine que 30 ans, tu dis 5 ans. C'est-à-dire, quand tu regardes 35 ans, quand les autres fêtent 40 ans, dans ta tête, tu dis, moi, je n'arriverai pas. Je vais dire à cette personne-là, tu vas vivre et tu vas aller de l'avant. Au nom de Jésus, prends contrôle de ta vie. Prends contrôle de ta vie. Commence à contrôler maintenant. Je dis, commence à contrôler maintenant. Commence à prendre contrôle de ta vie. Chaque situation, parce que Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, quand il a dit à Pierre, il était encore loin. Il attendait que Pierre puisse marcher. Toi aussi, Jésus-Christ a confiance en toi. Il t'a dit, viens. Viens où? Là où il y a ta destinée. Là où tu dois aller encore plus loin. Tu ne finiras pas ainsi. Tu ne t'arrêteras pas ainsi. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas encore fini. Peu importe, moi je dis toujours aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut me limiter si ce n'est que moi-même. Le seul obstacle de ma vie, c'est moi-même. Le diable vient après, c'est moi. Bien-aimé, le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Comment? Lorsque tu n'arrives pas à croire que c'est toi, avec toi et par toi, que Dieu peut faire des choses. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre cela, c'est alors que le diable viendra pour t'aider, pour t'empêcher à réaliser des choses. Mais moi, je me dis, le diable n'a pas le droit de m'empêcher. Étant donné que, entendu que, après débat et délibération céleste, il y a l'ordonnance céleste qui est signée en disant, je te donne plein pouvoir de pouvoir gérer des choses, de pouvoir commander à la nature, de pouvoir marcher d'une manière différente, que ta vie soit différente, toi qui écoutes le son de ma voix, que ta vie soit différente au nom de Jésus. Même si hier c'était chaotique, aujourd'hui ça sera ok, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je parle à quelqu'un. Dieu est le Dieu vivant. Pierre commençait à marcher sur les eaux. Moi aussi, je commence à marcher sur les impossibilités de ma vie. Lorsque les autres disent que c'est fini, les autres disent que tu as déjà atteint un âge, à cet âge ici, les choses ne marchent plus. Mais ils ne comprendront pas que nous sommes de la génération des aigles. Les aigles, lorsqu'ils deviennent des vieux, c'est en ce moment qu'ils renouvellent les ailes, qu'ils renouvellent le bec, qu'ils renouvellent les plumes, qu'ils renouvellent toutes les choses. Et ils deviennent encore plus puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas parce que les ailes sont tombées, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas aux circonstances. L'Éternel Dieu est en train de te rajeunir. L'Éternel Dieu est en train de renouveler les choses afin que tu ailles encore de l'avant. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, prends possession de ta situation. M'embrocher, t'es levé. Quelqu'un pouvait dire, ma destinée est cachée. Non, ta destinée est révélée ce soir en te disant que c'est entre tes mains. Tu veux aller loin, tout est entre tes mains. Tu veux réussir, tout est entre tes mains. Tu veux, tout est entre tes mains. Et ta langue, ta bouche, ta manière de parler. Oh bien-aimé, je vais terminer. La dernière des choses, quand tu renouvelles tes yeux, tu deviens courageux. La deuxième des choses, tu deviens maître de ta situation. Et quand tu renouvelles toutes tes choses, bien-aimé, tu vas gagner l'intimité du Seigneur. Quand tu renouvelles tes yeux, tu gagneras l'intimité. Pourquoi? Parce que Pierre, lorsqu'il avait perdu cela, lorsqu'il ne regardait plus au maître, il commençait à s'enfoncer. Il a crié, « Seigneur, je suis en train de mourir !» Il a tendu la main. Jésus-Christ ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Et tes yeux fixés sur lui. Même si tu as été infidèle, il vient auprès de toi pour te dire, « Il te tend la main. » Il te tend la main. Rien n'est encore consommé. Rien n'est encore perdu. Il te tend la main pour dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et bien-aimé, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas sombrer. Mais il a tenu Pierre par la main. Bien-aimé, lorsque tu gagnes l'intimité du Seigneur, le Seigneur te révélera le secret. Car il est le Dieu des secrets. Il ne cachera rien. Lorsque tu entres en intimité avec Dieu, bien-aimé, tes yeux vont s'ouvrir. La Bible dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Cela veut dire, lorsque tu as tes yeux renouvelés, fixés sur lui, et je vois directement les textes de la Bible, dans les livres de Jean, chapitre 3e, la Bible dit, comme Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Moïse, une question je me suis posée, dans le désert, le Seigneur, il y avait des serpents. Il pouvait bien ordonner à ce que les serpents brûlants puissent disparaître. Mais ces serpents sont restés là. Mais au lieu de dire aussi à Moïse, élève seulement ton bâton. Il dit à Moïse,
fais-moi un serpent, pas n'importe lequel, mais un serpent de reins. Et vous savez avec moi que les reins, ça fait partie des métaux les plus durs au monde. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé les reins? Et comment ils ont, bien aimé, les reins c'est dur. Mais comment ils ont pu donner la forme à les reins, la forme du serpent? Waouh! Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Parce que les reins là, ce n'était pas déjà un serpent, mais ça devait avoir la forme d'un serpent. Cela veut dire que comme c'était dur, mais où est-ce qu'on a trouvé le forgeron? Où est-ce qu'on a trouvé le ferrailleur? Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Vous êtes déjà posé cette question-là? Oh, membre que le boché te rebeke. Ne le boché te rebekan de rebeke. Alléluia. Laetitia, c'est dans Jean chapitre 3, le verset 14e. Est-ce que vous êtes posé cette question? Que ils ont pris, Moïse a pris les reins. Il a donné la forme. Bien aimé, lorsqu'on donne la forme à les reins, cela veut dire qu'on doit faire en sorte que c'est dur. On doit, bien aimé, c'est comme ça aussi. La Bible dit, lorsque nous séparons ce qui est vide et ce qui est précieux, nous serons comme la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu est en train de nous tailler. Dieu est en train de nous façonner. Et ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Mais le seul problème, que lorsque les reins, et ces reins, ces serpents, on ne devait pas les placer en bas, mais on devait les placer en haut. Où tout le monde devait avoir les regards. La seule chose que l'homme devait faire, les serpents étaient là. Les serpents continuaient toujours à mordre. Mais une seule chose, quand tu as tes yeux fixés sur les serpents des reins là, automatiquement tu gardes la vie. Bien-aimé, lorsque tu as les yeux, lorsque tu gardes l'intimité avec Dieu, peu importe les serpents brûlants, je déclare et je décrète au nom de Jésus, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Peu importe les circonstances, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Regarde, ma soeur, mon frère, comment, lorsque tu as les yeux tournés vers le Seigneur, comment ta vie sera impactée. Tu deviendras courageux, tu deviendras maître de ta situation et l'intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, j'arrive à la fin de mon message. Ne te décourage pas. Pierre est entré dans l'histoire. Toi aussi, tu peux entrer dans ton histoire. Tu es devenu maître de ta destinée. Ne pleure plus. Ne regrette plus. Ne promène plus les regards inquiets. Ne t'agite plus. Ne t'alarme plus. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Jésus marche avec toi. Ne te décourage plus. Ne te décourage plus. Jésus marche avec toi. Oh, ce soir, voici le message que le Seigneur nous avait donné. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un qui, malgré les paroles qui sont sorties, il prend la résolution pour dire, je dois prendre ma destinée en main. Les choses doivent changer dans ma vie. Si tu es là, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Que les impossibilités s'échangent. Que tu renouvelles ta vue. Que tu renouvelles ta manière de voir. Car Jésus marche avec toi. Il t'a dit, viens. Il t'a dit, viens. Pour ton travail, viens. Pour ton mariage, viens. Pour ton épanouissement, viens. Pour le succès, viens. Pour l'éducation de tes enfants, viens. Pour tous les projets que tu as, même pour créer une société, pour acheter une maison, il te dit, viens, il te dit, viens. Et je vais prier ensemble avec toi. Père éternel, notre Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci éternel, mon Dieu, pour ce temps que nous avons passé. Merci éternel, mon Dieu, pour ta faveur et ta grâce. Je prie que nos yeux soient renouvelés. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, mon Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, cette parole est sortie. Qu'elle ne retourne point sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle était destinée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que l'Éternel des armées te localise et qu'il te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me donner des acclamations? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer en poussant réellement, en me donnant ces likes? Est-ce que quelqu'un peut donner des likes, acclamer réellement le Seigneur notre Dieu? Gloire soit rendue à l'Éternel.
Lui qui est le Dieu qui n'a pas changé, gloire, gloire à l'Éternel. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis partout où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et qu'il y ait encore de l'impact dans votre vie. Influencez votre génération, influencez ton quartier, influencez ton milieu, influencez ta société, influencez dans ta famille, qu'il y ait l'impact total, 100% d'impact avec toi, comme tu as réussi à vaincre, comme tu as réussi à marcher, comme tu as réussi à aller plus loin. Rien n'est impossible. Prends possession de ta destinée. Continue avec le Seigneur. Tu es le Dieu de tout le monde. Rappelez-vous d'une chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Là où tu es, cette parole te localise. Dieu te fera du bien et ne manque pas de témoigner la grandeur de l'Éternel. Je vous aime bien. Je vous aime. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre pasteur, le révérend Samuel Serge Sapou. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Donc nous nous retrouvons demain à partir des 5 heures de Londres pour la prière. Et le vendredi, oh, ce vendredi, c'est un vendredi spécial. N'oubliez pas, donc ce vendredi, on sera là à partir de 18h30, heure de Londres, pour un service bien avec le Seigneur. Et le 31, nous aurons un service de dédicace pour le mois de septembre. Parce que les enfants vont rentrer à l'école avec tout ce qu'il y a comme pandémie. Nous allons faire un service de dédicace le 31 août. Donc, ça sera un lundi et Dieu va nous bénir. Soyons connectés sur Facebook. Donc, mettez sur votre programme le 31 à partir de 0h. Nous allons consacrer le mois de septembre. Parce que c'est le 9e mois et le 9e mois, c'est le mois d'accouchement. Alors Dieu sera à l'œuvre et Dieu sera glorifié. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime bien. C'est votre pasteur. Bye bye.